Oh putain, me dites pas que... Si. Attends, il faut obligatoirement les flèches de feu, c'est une blague? Non, je pense pas. Attends, je reprends l'arc. Est-ce que là, ça peut le faire? Je pense que là, ça peut le faire rien qu'avec des flèches normales. Ouais, ça va le faire. Faut juste que je fasse le feu d'Odin. Version 3DS, non, c'est exactement les. Il me semblait que c'était différent pour le coup sur 3DS. Enfin, c'est la salle, elle ressemble pas du tout à la salle que je... dont je me rappelle en fait. Que le flemmard, non mais wesh. Bah ouais, mais faut attendre. Tiens, on a mangé tellement local et après on s'est assassiné que je suis repu de chez repu. Oh putain. Alors là, je pense qu'il va falloir sortir l'œil de vérité. Le monocle de vérité, pardon. Ah ouais, d'accord. Non, pas du tout en fait. Oh god, ok. Ok, non, il faut sortir les bottes. Oh non! Reprendre les bombes aussi parce que j'ai bien envie de défoncer la sentinelle. On revient plus tard pour la salle, là c'est pas bien grave, là c'est juste de me concentrer par contre. Pas de raison que ça se passe mal! Hein? Allez. Ah. Comment je récupère ça? Attends, t'as le champ du soleil. Oui, bon, hein? Attends, il y a... Ouais, mais ça va être juste pour ouvrir la porte. Pas du tout. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Je pensais pas qu'il allait avoir le temps de... Est-ce que le jeu est en train de me donner un coup de main? À moins que le poteau n'avait pas du tout chargé, c'est tout en fait. Ça, c'était très nul. T'es pas là pour souffrir? Je suis pas là pour souffrir, ok? Alors. On va rebomber le machin là. Bien sûr. C'est ce que le bouton a fait pas. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Ok. En vrai, ah, ça devrait aller maintenant. Ah, il y a quand même celui-ci qui est en face qui va me faire chier un peu.
J'aimerais que ce ventilateur se calme. Voilà. Là, on est bon. Ah, ça fait du bien quand ça marche. J'ai tenté. Je sais pas, je vais essayer la... l'arc. Moi, ça me donne envie de sortir le boomerang, mais... Moi, je sais, et tu vas pas aimer. Pourquoi j'aimerais pas? Oh. La barrière de la forêt est dissipée. Vite, Kalten! Pourquoi le vide Kalten n'était pas centré? Mais ça va, c'est pas dur. Non, honnêtement, des souvenirs que j'en ai. Coup de pression inutile sur le coup, moi j'ai pensé que c'était les flèches de feu, wesh. Par contre, on va peut-être se débarrasser de ces bottes à la con, non? Les souvenirs que j'en ai, les épreuves sont pas compliquées de ouf. J'aurais dû fermer ma grande gueule, on est d'accord. Voilà. Ah d'accord, je vois le genre. Oh, ouais. Ouais, ok. Ah. Bah, on peut pas aller... Ah bah si, il me semblait bien. Non, dans l'autre sens. Voilà. Et là, on va faire la même. Ah oui, par contre, là, c'est moche. Aïe, putain. Ah, nul. Bon, tu sais quoi, on va juste s'écarter. Voilà. Bon, ensuite, je veux bien ça, par contre. J'ai un boulet. J'ai ça comment? Oui, Navi, tu me montres le sol. Ah. Il y avait une prise grappin juste au-dessus. Ok, c'était mignon comme... énigme. Vous pouvez élargir le trou pour passer comme il faut. Exactement. Ah, ouais. Je suis un peu con. Vas-y, ça ne donne que de la magie.
Je me souviens plus si les flèches elles passent à travers ou pas. Ouais, ça se plante dans le vide. Ok, ben on va se resservir du feu de Dean. Je pense que ça devrait marcher, ça, par contre. D'ailleurs, ça doit être pour ça que les ennemis qu'on vient de battre, ils ne donnaient que de la magie, je suppose. D'accord, très bien. Oui, t'as quelque chose à dire? Pratique les flèches qui se plantent dans le vide tellement. Ah! Des bombes peut-être, tout simplement. C'est une blague. Les missiles, ils peuvent passer à travers les... Alors c'est pas des missiles ténueux de la taille de Hyrule Warriors, hein, heureusement. Ça peut passer à travers les barreaux. C'est quoi? Ah oui, il y a un trou en haut. J'avais pas regardé, si vous regardez bien, il y a un trou en haut. Voilà, ici. C'est une blague. C'est une blague. Allez! Voilà, alors là c'est mort. Mort de chez mort, et d'ailleurs ça a pas dû passer par le trou! Ça fait Fort Boyard, mais tellement! Je crois que t'as tellement raison. Allez. Non, c'est mort. Ah, oh! Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Eh ben, c'est illimité. Non, 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 tu as le compteur. Il m'en reste 22. C'est sur mon. Enfin, tu vois les boutons à l'écran de toute façon. C'est sur le bouton du bas. Et j'en ai encore 22. En gros, je crois que ça m'en a donné 20. Le coffre, il m'en a donné 20. J'ai un peu peur. Je peux réutiliser un missile teigneux? Là, ça fait chier parce que il y a du feu, mais on peut pas mettre le feu à la flèche comme on le faisait dans Breath of the Wild. On va essayer le feu de Dean. Pourquoi ne pas utiliser les flèches de feu? Il y a vraiment besoin des flèches de feu obligatoirement du coup ici. Parce que si c'est ça, du coup il faut que je parte d'ici en fait. Il faut que je quitte le château. Du coup je me demande juste s'il y a une autre solution. Ce qui m'arrangerait en fait. Oh, tu viens pas m'énerver, toi! Ça te fait. Bah, je fais pas le malin. J'avais juste la flemme. Avoir la flemme, c'est pas faire le malin. On est d'accord. On est d'accord.
Du coup... Oui, d'accord, mais c'est quoi la musique? La sérénade de l'eau, d'accord, mais... Ok. Fait que t'as la flemme te fait perdre du temps du coup. Bah oui, mais pour moi je pensais que la flèche de feu c'était bah comme la flèche de glace. Il y aura la flèche de glace aussi, mais je l'ai pas non plus. Et pour le coup il me semble que elle est facultative. Les premières lueurs de l'aube. Alors. Ça m'agresse. Alors. Chant du soleil. Non. Non, c'est ici. Voilà. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, ok. J'ai du mal, hein? Ça me donne un flash de glace, un truc d'effet. Je me souviens plus ce que ça fait, le... L'amour de Nehru. D'ailleurs, je ne l'ai jamais eu, je crois. Avec la musique, ça rend bien. Une barrière pour te protéger des dégâts. En vrai, ce serait pas mal pour affronter Ganon, vu que j'ai pas beaucoup... Oula. Vu que j'ai pas beaucoup de cœur. Voilà. Prélude de la lumière, je crois. Que je me souviens plus non plus. Tac, 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 ok. Faudra que je fasse un petit peu une pause pipi aussi. Bon, je pense effectivement que ce live va quand même durer plus qu'une demi-heure, hein, manifestement. Mais du coup ça me fait bizarre, enfin je sais pas, ça réveille mes tocs un petit peu, enfin pour moi la flèche de feu et la flèche de glace, tu vois, c'est des armes un peu jumelles. Du coup le fait qu'il y en ait une obligatoire et l'autre pas, je sais pas si vous ça vous trigger un peu, mais moi ça me trigger un peu en tout cas. Manifestement, je récupère même pas les réceptacles de cœur, donc... Est-ce que ça étonne quelqu'un que j'ai pas pris les flèches de feu?
Bah tiens, tant qu'à faire, j'ai utilisé beaucoup de ma... Putain! J'ai utilisé beaucoup de magie. Tac. Bah. Attends, il te faut combien de coups à toi là? Voilà. Parce que la zone de fin est faite pour être secondaire et non obligatoire. Et qui est une récompense cool et qui peut être les flèches de glace. D'accord. Ouais, mais ça me trigger toujours qu'il y en ait une qui soit obligatoire et l'autre pas en fait. Pourrait y avoir une autre récompense, tu vois. Ah! Saloperie. On connaît tous ce son. On va essayer celui-ci. Ce n'est pas lui non plus. Bon bah suivant, de toute façon les rubis je peux pas les prendre. Yes! Quand tu fais je veux, t'as même pas besoin de les chercher plus direct en sortant du temple de l'eau. Oui mais bon. J'ai dit que c'était pas bien donc c'est pas bien. Là. Hop là. Histoire de bien les imbiber de lumière. En même temps, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce jeu. Je l'ai fait qu'une fois. Enfin, en tout cas, cette partie-là, je l'ai faite qu'une fois. La barrière de l'esprit est dissipée. Vite, gamin! Gamin, je t'en prie. Bah, moi aussi, je vais re, du coup. Là, dès que j'ai la main, parce que j'ai quand même envie de voir les cinématiques, même si c'est des très petites cinématiques comme ça, mais voilà. Du coup, oups, je vous laisse quand même avec l'image du jeu. Je ne serai absent, évidemment. Je vais être absent juste 2 minutes, hein, le temps de... Ouais, j'ai entendu de lumière. Oui, de lumière. À tout de suite, du coup. Papillon de lumière. Stop, you see! Avec papillon de lumière. À tout de suite.
Et re... Cette caméra qui se tourne. Et re donc, disais-je. J'espère que vous allez toujours bien. Pour cette fin, j'espère, de Zelda. Et on est reparti pour la... Ah, pour un cheveu qui va m'emmerder. Écoutez, je saurais pas les faire dans l'ordre. Donc, allez. De toute façon, c'est déjà pourri pour l'ordre vu que j'ai fait le temple de l'esprit. Donc allez, hop, on va faire celle des auras en premier. Et merde. Alors là, j'ai comme l'impression qu'il va falloir la prendre, la flamme bleue. Re tout le monde. J'ai fait ça. J'ai voulu bouger la caméra en fait. C'était un coffre piégé. Quelle bonne blague. Ah, on sait s'amuser chez Nintendo. On aime être gelé, mais grave. Hein, tu t'ouvres un coffre, récompense, être gelé. Parfait. Ah, il y a des portes. Mais il y en a encore un. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu où ils réapparaissent en fait. Ah non, je l'avais pas vu. Pourquoi il y a 2 minutes? Ah ouais, mais en plus il me faut une flamme bleue. Essayer de le mettre dans le trou. Voilà. Et là. Et non! Non plus. J'ai l'impression que je me suis trompé, non? Je ne veux pas monter dessus. En fait, j'ai peut-être pas fait ce qu'il faut. Attendez, on va... Ok, j'ai compris ce qu'il fallait faire. J'ai mis le mauvais bloc dans le trou. Me gosser en avance. Gosse-toi, va, gosse-toi. N'empêche que ça va, j'ai compris. Je crois. En fait, c'est celui-ci qui va dans le trou. En se mettant comme ça. Et comme ça. Et derrière, il y a 3 mouvements à faire pour emmener ce bloc-là juste au niveau du truc. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est bien là-bas qu'il faut aller. C'est toujours une histoire de remplir un trou, bah oui. Bah écoute, Nintendo apprend la vie aux enfants.
là. Par contre, j'espère juste que c'est bon et on a accès à la... Ça, c'est juste gratuitement pour te faire perdre du temps, par contre. Ah non, merde, c'est le marteau. Il est là. Je sais pas ce que ça fait au bout de 1 minute, ou de 2 minutes du coup. Bon. Bien sûr. Ça c'est fait. Quand tu penses que quand même on a fait ce jeu là au début de la 3D. Genre bonjour, on fait un excellent jeu en 3D dès le début de la 3D sans avoir appris vraiment à faire des jeux en 3D. La barrière de l'eau s'est dissipée, dépêche-toi, ok. Bon, on va essayer de se dépêcher en tout cas.